demande quelque chose, il demande à manger. Elle est ruinée en 1965, elle trouvera un appartement du côté de Roquebrune-Cap-Martin. Et c'est au musée, enfin, à l'éducation nationale que va échoir la propriété. Et surtout, au Muséum national d'histoire naturelle que va entrer, effectivement, et bien, c'est la gestion, majoritairement. Donc là, Muséum national d'histoire naturelle, que fait-on? Bien, on a aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, à vous proposer un jardin qui a une visée conservatoire. Un jardin aussi qui va vous proposer 1700 espèces. Ici, donc. Dans ce jardin, mais attention, ce n'est pas forcément la pomme de terre, bien entendu, ça restera des espèces assez particulières qui vont mêler flore endémique, comme l'olivier, mais qui vont mêler aussi, eh bien, voyez-vous, des arbres tels que Erythrina pistagalli ou encore Brachycouton discolore et que sais-je encore. C'est ce qu'on va découvrir au travers de cure de serpent, mais c'est surtout les dames parce que c'est un abortif génial. Pour une grossesse non désirée, généralement, la jante féminine. Utiliser depuis longtemps en fait ce sujet. Alors ça, on va l'utiliser à menton comme plante d'ornement. On va utiliser du muguet. Il n'y a pas pire poison que le muguet. Tiens maman, je t'aime, boum, et le mom à l'hôpital. Pourquoi? C'est bourré d'alcaloïdes, pareil, mais là ça vous fiche le cancer. Donc si vous l'aurez compris, nous sommes dans les plantes médicinales, les plantes à poison, les plantes chamaniques. Vous êtes arrivé, vous avez dit tiens, c'est quoi ça? Les petits venins. C'est pas une agave. Ah ben oui. C'est pour le climat étant donné. C'est trois de lutte ici, c'est pas la. C'est des pomelos, ça. Ça, c'est des pomelos. Il y en a, non? Ça, c'est sûr que c'est pas le climat du lutte. Même là, il fait doux. C'est complètement différent. On en a une, on ne fait pas les fleurs comme ça. Hein. Elle est énorme. Très bien, d'autres sont véritablement poisons. La Tura de Gustavia, je vais vous expliquer. Alors, voyez ici, je vous connaissais. Alors, ici, la Tura, eh bien, je vais vous dire non. Parce qu'à un moment donné, les chercheurs, en fait, pour leur part, les botanistes vont réussir à trouver. Tout le monde entend, tout le monde voit. Thank you.
que vous allez travailler aussi, eh bien, on roule. C'est beaucoup d'opérations, mais votre papyrus, vous allez le faire en le mettant en presse. Et votre papyrus, ça vous durera 3 millions. C'est comme ça que Champollion a pu récupérer. Imputrescible. Déjà, il ne peut pas pourrir, c'est une plante qui est aquatique. Et surtout, on écrivait dessus avec de l'eau mélangée à de la gomme arabique issue des acacias et surtout du charbon noir. D'ailleurs, les élégants de l'époque mélangeaient le charbon à de l'huile d'olive pour faire le pôle. Tout simplement. Et donc ça, c'est quelque chose qui accroche et qui sèche. Les papyrus, quand vous le touchez véritablement, on dit « moi j'ai le droit du papier, c'est toi, il n'a pas 3 millions. » Parce que là, c'est comme vous avez des papiers, c'est ça qui soit. Les Chinois, ils ont pas pris au papier, c'est parce qu'ils sont utilisés sur des tablettes en bambou. C'est devenu trop laborieux, ils ont inventé le papier à partir du bambou aussi. Donc là, voilà pour l'histoire du papyrus, on va pouvoir en faire de la vannerie. Cette partie verte, là je suis en train de tester, je le fais très 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 fin et je le presse. J'ai réussi à monter simplement avec un fin fil à faire kilos de poids. Vraiment, on fait une cordelette naturelle qui ne pourrira pas, simplement avec deux fils. Donc je fais des tests comme ça. Et sinon, que vous dire de la vannerie, et en ce moment, les amis, ils embêtent le bâtiment.